Hey, bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième jour de l'aventure. Donc là, ça y est, enfin, ça va vraiment commencer l'aventure. Hein. Hier, c'était l'aéroport, prendre la voiture et tout ça. Là, on va direction la prison d'Alcatraz. Et oui, on va visiter la prison d'Alcatraz. Il faut payer l'entrée, donc on a déjà payé l'entrée. Je sais plus combien, c'est vraiment Tracy et Fabien qui ont préparé tout le voyage, donc je connais pas du tout les prix. Voilà, mais à la fin du voyage, je vais leur poser la question, etc. pour avoir le truc. Voilà. Bon, voilà, on est arrivé. On a vu. La prison d'Alcatraz derrière là, j'ai pas pu filmer, mais il y a la prison d'Alcatraz et là on cherche le bateau. On a loupé le premier, donc j'espère qu'on va pouvoir prendre le deuxième. Mais on voit directement. Et on cherche le bateau justement pour aller dans la prison. Enfin, on va en direction de la prison Alcatraz. Let's go! Derrière, on voit carrément le pont de San Francisco. Vous avez vu là tout à l'heure là en vidéo. On voit pas là, comme ça en. Mais ouais, c'est vraiment juste à côté quoi. To all y'all just arriving on Alcatraz Island. Your first stop is gonna be right over here with me as I'm going to orient you all to the island. We'll go through this very quickly, but I'll let y'all know where important things are located, where you'll pick up and where you'll start that audio tour, and what's going on around the island today, because every single day is different around here. And there are some exciting programs you can all take a part of that don't have. Et on monte dans la plus dangereuse prison d'Amérique. Dites-vous, monsieur. Je m'appelle Davy. Et toi? Moi, je connais pas. Je donne pas mon nom à de parfaits inconnus. Non, mais... Par contre, on monte bien. On va se poser, là, il y a des gens. Déjà? On vient juste d'arriver? Oh, regardez ça, la belle vue derrière. Évidemment, les prisonniers, ils pouvaient pas s'enfuir. Hein. Mais c'est vrai. C'est le principe du Nil aussi. Ouais. Mais il y en a un qui a réussi, je crois. Mais en fait, Fabien a mal au pied. Ouais, c'est vrai. Enfin, son talon. C'est lui qui nous ramène, donc ouais. On va éviter de le casser. Je crois qu'il y en a un qui a réussi. Hein. Il y a un film comme ça, et c'était une vraie histoire. Qui s'est échappé, ouais. Ouais, qui a réussi à s'échapper de la prison. Regardez ça. En tout cas, il y a une vraie, vraiment une belle vue ici. Hein. Regardez ça. Une belle vue. Oh, regarde. On voit Paris, là, jusqu'à...
ça c'est pour moi, c'est Jardin des Plantes. C'est Jardin des Plantes. Attends, c'est quoi ça? On arrive dans la cellule de la prison. Moi aussi, je vais faire guide audio. Ça, ce serait nul. Devant, et en plus on nous a donné un truc pour écouter l'histoire de la prison. Bon, vous n'avez pas entendu, mais c'est vraiment pas mal. En plus ça, il y a, c'est mieux dans notre langue, vraiment pas mal, ouais. Comment ça marche, ce truc? Ça marche. Ouais, d'accord. C'est vraiment cool parce que c'est vraiment l'introduction et après il nous explique un peu l'histoire. Franchement, c'est sympa. Allez. Ici, là, dans ces murs-là, ils abritaient les plus dangereux criminels au monde. Et ici, là, ouais, c'est vraiment énorme, c'est en haut. C'est vraiment énorme. Ah ouais. Savoir que avant c'était un fort qui est devenu une prison et maintenant c'est une réserve naturelle. Voilà, maintenant il y a plein d'oiseaux partout, c'est impressionnant. Donc c'est maintenant une réserve naturelle. Voilà. La visite, là on va aller à un autre point de vue, on va voir ce qu'il y a à faire. Et moi je suis la troupe, hein. Je suis la troupe, ils connaissent l'Amérique, moi je connais pas. Moi je suis la troupe, c'est eux qui ont organisé. Moi j'ai dormi hein, pendant qu'ils les organisent. Je rigole. C'est un peu ça, ouais. Donc voilà, donc de toute façon, je les remercie tous les deux parce que c'est grâce à eux que j'ai pu voyager. Donc, hein, c'est vrai, hein. Oh putain, ils tombent à chacun mon sac là. Ouais, moi, depuis que je suis arrivé, je me suis fait remarquer au moins une dizaine de fois déjà. Donc, et on vient juste d'arriver. We'll be right back.
Bon voilà, on est arrivé à un lieu. Hey, comment ça s'appelle le lieu? Twin Peaks. Oui. Twin Peaks. Pour ça là. Les jumeaux. Ok. Voilà, on est arrivé à au lieu. Donc le lieu s'appelle Twin Peaks. Donc c'est un lieu où on va voir tout San Francisco. On est en hauteur. Déjà, regardez derrière. Et là, on va monter ici en hauteur. Par contre, il y a beaucoup de vent parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment dans la montagne. Et là, on va monter tout ça. Bon, ça va le faire, je pense. Allez, on y va. On va monter un peu. Et puis, on va voir tout. Oh là là, il y a du vent. On va voir tout San Francisco. Donc, le lieu s'appelle Twin Peaks. Et on voit tout. Oh là là, le vent. Oh putain. Allez, et après, on va arrêter la vidéo. C'est parti. Ah putain. Hop. Oh putain, il y a du vent. J'ai cru. L'impression de m'envoler. Oh, il y a du vent. J'étais en haut, mais laisse tomber le vent. J'ai cru que j'allais tomber. Je suis allé tout en haut, hein. J'ai filmé vite fait, mais impossible voilà, de pouvoir parler dans la caméra. Du coup, je suis redescendu et j'ai vu qu'il y avait un petit chemin. Donc là, je prends le petit chemin là. Voilà. Et donc là, on a quand même une belle vue là où on va être. Ça y est, nous arrivons à chemin. Moi, mes amis qui sont restés dans la voiture, parce qu'ils ont déjà vu. Hein. Oh là là là, regardez ça. Je vois pas très bien, mais regardez ça. C'est magnifique. Allez. Bon voilà, ça y est, j'ai terminé là avec cette belle vue derrière. Donc franchement, c'était pas mal aujourd'hui. Donc avec la prison d'Alcatraz que j'ai vraiment vraiment adoré, l'histoire et tout ça, en plus avec le truc, le téléphone pour bien comprendre l'histoire du fort, de la prison, voilà. Hein. Et puis bah, cette belle vue, voilà, on est allé ici pour voir une belle vue. Franchement, c'est énorme. Donc, les prochaines vidéos, ça sera plus ici. Demain, on part, ça y est. On a dit qu'on allait rester 2 jours. Et là, attends, hop, comme ça, on va mieux me voir. Donc là, on part à Los Angeles. Voilà, enfin, on va passer 4-5 jours là-bas. Ça va être énorme. On a prévu plein de trucs. Voilà, il y a 7 heures de route, donc on va passer 7 heures de route, donc on ne sait pas ce qu'on va faire demain, donc pour la semaine prochaine. C'est à voir, de toute façon c'est eux qui ont planifié le truc. Alors voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour vous. Moi, ça sera demain que je vais filmer pour la semaine prochaine. Mettez-moi un max de j'aime, partagez cette vidéo parce que c'est très important pour ce projet de voyage. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Allez, bye bye!